Bon retour sur ma chaîne. Je suis en train de démarrer la gazelle de JRX pour un tuto sur son utilisation. Il y a quelques semaines, j'avais fait le tuto du démarrage. Là, cette fois-ci, on va passer à l'utilisation, assez costaud. Alors, je me suis aperçu qu'il ne faut pas faire pause avec cet appareil, sinon on s'écrase. C'est un peu dommage, mais du coup on va pas faire les replays aussitôt, il va falloir que je fasse un montage. Donc là je monte les gaz, le gouverneur est automatique, on est prêt. Alors, quand on monte le collectif, rotation à droite, roulis à gauche. Donc ce qu'il va falloir faire c'est donner du roulis à droite et donner du pied droit. Donc j'augmente, un peu de pied droit, un peu de roulis. Pas trop quand même, voilà. Pas trop mettre d'à-coup avec celui-là, il est assez sensible. On va aller se mettre en face de la manche à air, face au vent, et on va tenter le stationnaire en effet de sol. Ce qui n'est pas gagné du tout. Ça fait 3-4 fois ou 5 fois que j'utilise cet appareil. Je crois que j'ai jamais réussi à faire un vrai stationnaire avec. Non, ça reste pas très longtemps. Ça reste une seconde ou deux. C'est pas mal ça. Bon, bah allez, on va aller passer sur la taxiway. Je couperai le tour de piste et je remettrai quand j'arriverai à l'atterrissage. Alors il prend énormément vite la vitesse. Donc là je suis même plus dans l'effet de sol, ça c'est pas bon du tout. Et il y en a un autre là. Il est difficile à ralentir aussi, il faut beaucoup cabrer, flairer vers un tir en arrière, et du coup faut éviter d'être trop proche du sol pour éviter de casser le rack. On s'aligne et on est parti. On monte le collectif, on donne du pied droit, on se penche en avant, on reste proche du sol tant qu'on n'a pas les 40-50 nœuds. Et là on est bon. On peut monter. Détail pour essayer de piloter droit, il faut tirer le pied vers là où va la bille pour faire en sorte que notre vol soit linéaire. Allez, on se retrouve après quand j'aurai fait le tour de piste. Voici donc en approche
laisse mon pas de collectif. Hop, pied gauche. Et je vais rester le plus longtemps en arrière, parce qu'il est difficile à faire ralentir celui-ci. Donc on va pas trop se pencher en avant. D'habitude, j'aime bien me pencher en avant pour perdre de l'altitude plus vite. Mais avec celui-là, il vaut mieux éviter, parce qu'il prend tellement de vitesse. Voilà, là, je perds un peu d'altitude trop vite. Je remets un peu de pas de collectif. Et j'approche tranquillement de la piste. À l'effet de sol, il va falloir être généreux en pied droit normalement. L'effet de sol nous fait pas mal tourner. Là, je commence déjà à tourner à droite. On voit la bille qui se barre. Donc là, j'avance sans pas de collectif pour perdre de la vitesse. Là, je suis en dessous de 50 maintenant. Je remets un peu de pas jusqu'à perdre la vitesse qui m'intéresse. Donc là, j'augmente le pas du collectif, donc je donne du pied droit. Là, je suis en train de remonter. Quand même perdre de la hauteur, sinon on va jamais se poser. On se retrouve du coup en stationnaire et on descend tranquillement sur les patins. Sans toucher le rack. Pas en dessous des 50 nœuds. Là, maintenant, on a perdu beaucoup de vitesse, on remet du pas du collectif et on évite le vortex. Donc là, on tient un petit stationnaire hors effet de sol. J'ai l'impression que c'est plus facile qu'avec l'effet de sol. Quand on va s'approcher du sol, il risque de tournoyer à gauche. Donc il faut bien penser au pied droit, qu'il soit prêt à compenser. Voilà, ça y est, commence à virer à gauche. Je mets un peu plus de pied droit. J'approche du sol. Et je me pose tranquillement. Sans casser, c'est mieux. Nous y voici.
Donc on reconnaît bien le bâtiment emblématique Technoforum qui est juste en face de nous. Bon, j'ai dû le dessiner parce qu'il n'était pas dans les selfies sur Internet. L'atterrissage sur la pelouse. Là, on voit bien la dérive à gauche. Donc on va décoller et on va aller directement sur le toit de l'hôpital que j'ai dessiné aussi. Du coup je vais pas couper parce que c'est pas très très loin. Donc je vous laisse profiter du voyage au passage. Alors là j'ai décollé un petit peu vite hein, mais j'ai donné du pied tout de suite. Après quand on commence à connaître les réactions de l'appareil, on arrive à s'adapter. Moi là mon repère, alors je vais pas prendre beaucoup de vitesse parce qu'il est pas loin, ça sert à rien. Puis là avec cet appareil ça va être compliqué de se poser. Donc là on a la gare. Il est après la gare sur la gauche. Derrière des arbres. Ouais voilà, je vois l'hôpital ici. Et l'hélistation est planquée derrière les arbres. Gaffe au vortex. On est à moins de 40 nœuds. C'est pas la peine d'aller à toute vitesse de toute façon. Faut arriver à viser la cible quand même. Alors je fais varier mon collectif pour éviter de perdre trop de pieds-minutes, éviter de me faire embarquer dans un vortex. Et je le redescends souvent pour quand même perdre de l'altitude, parce que l'objectif c'est de se poser, hein. C'est pas de faire un stationnaire dans le vide. En plus ça consomme, je pense, le stationnaire, donc c'est pas la peine d'en abuser. Là, j'approche de la station. Et pareil, on se pose tranquillement, sans casser les patins, c'est mieux. Faut avoir bien ralenti avant, parce que sinon on casse le rack. Oh là, j'ai glissé. Bon, c'est pas grave, ça marche quand même. On va retourner à l'aéroport pour un dernier atterrissage. Je vais couper puis je vous remontre l'approche aéroport. Cette fois-ci, un atterrissage à l'hélistation de la sécurité civile. Celui-ci était un peu moins bien reçu parce que j'ai glissé vers l'avant. On se retrouve pour de nouveau un atterrissage à l'aéroport. On voit la piste à notre droite là, donc je fais un virage à gauche pour m'aligner. J'ai déjà baissé le collectif, commencé à perdre de l'altitude et de la vitesse.
de la carte vague, il y a une voie hélicoptère basée au-dessus de la pelouse en fait. Mettre dans le même sens que l'autre parce que c'est pas vraiment un hélico que je maîtrise. Alors déjà si on arrive à se poser sur le H c'est pas mal. Enfin, ça lague. Je tombe pas mal, je donne des à-coups. On est bien quand même. Hop, on est posé. Et ben voilà, je vous partage quelques replays et puis ben, je vous dis à plus dans une autre vidéo. J'espère que ça vous servira.